qu'elle a réussi exactement le même mouvement avec encore plus d'amplitude. Dan Burica pour la Roumanie aux anneaux. Ils ont toujours été très bons aux anneaux, les Roumains. C'est son meilleur agrès, sa spécialité. On le disait tout à l'heure, il a fait troisième au championnat du monde en 1994, à Brisbane. Oui. Vous voyez cette planche libre. C'est un Yurikeki bis dans le travail de force. Absolument. Très bien placé, croix de fer parfaitement horizontale. Aucune déduction possible. Ah, petite vibration à l'équilibre. C'est ce qui va faire la différence. Croix de fer équerre, remontée avec beaucoup d'aisance. Double, double tendu, mais mouliné de bras. Eh oui, Kiki peut dormir tranquille. Eh oui, ça y est, voyez. Ouais. On le sait, on le sent dans le camp des athlètes. Qui a pu gagner, qui a pu perdre ce titre. Burinka sera vraisemblablement médaille d'argent devant le Bulgare Jordan Joychev. Je m'avance un peu. Mais Yurikeki reste le maître de cet appareil spectaculaire. Jusqu'où ira-t-il ? Atlanta, c'est sûr, et il peut, sur ce mouvement, être champion olympique. Absolument, c'est ce qu'il attend. Les médailles d'or, c'est une habitude pour lui. Ça ne l'impressionne plus, il attend, mais bon, c'est une formalité. Allez, on attend la note, mais sans grand suspense. Burinka deuxième. Oui, oui. Voilà, Yurikeki, champion du monde. Avec deux années consécutivement. Allez.